Nous avions parlé des blanches et des noires, nous allons maintenant parler des croches et des noires. La blanche dure deux temps, donc on joue blanche, blanche. La noire dure un temps, noir, noir, noir. La croche, elle, dure un demi-temps, seulement la moitié. Elle va donc deux fois plus vite que la noire. Croche, 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 croche. Si j'enchaîne des noirs et des croches, noir, noir, croche, 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 croche. La première croche quand je tape, la deuxième quand ma main est en l'air. Donc j'ai bien deux croches par temps. Maintenant sur la guitare, avec le premier exercice, on va jouer uniquement les cordes à vide. Cordes de si, puis cordes de mi, avec d'abord 4 noirs, puis 8 croches à chaque fois. Sur la deuxième ligne de l'exercice, il faut ajouter la main gauche, puisque là on change de note, donc en mettant bien les bons doigts dans les bonnes cases, comme à chaque fois. Il faut s'entraîner régulièrement pour que les croches soient vraiment deux fois plus rapides que les noirs, en commençant par jouer lentement, par exemple, noir, noir, croche, croche, noir. Pas plus vite que ça, c'est déjà très bien.